Lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui y sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui sortent, de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi, que n'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance, l'Éternel est là. C'est vrai, notre Père Céleste, notre Dieu. Nous avons vraiment foi, confiance en toi, pour ce que toi tu es pour nous, Père. Et ce soir, nous te disons encore merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore puissamment souvent, parce que tu es vraiment le Dieu véritable. Tu fais vraiment de merveilles, notre Dieu. Tu es vraiment dans les grands rois, parce que tu accomplis encore de merveilles aujourd'hui, Père. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui nous as vraiment appelés, Père, et qui nous as rassemblés encore en cette soirée en ces lieux bénis de personnes. Nous te sommes vraiment reconnaissant notre Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, Père, pour tous nos frères et sœurs qui sont en chemin, Seigneur, et ceux-là qui sont aussi arrivés, Seigneur, d'une grâce et de joie de les voir encore parmi nous, Père. Nous te rendons gloire et honneur au notre Dieu, parce que toi qui as vraiment promis de rendez-vous, mon bénévole Père Tibissant, c'est seulement sur le bien état par le nom, pour appeler bénévole Père Tibissant, et te rassembler en ton nom encore aujourd'hui, Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants encore pour tout, Père. Merci encore pour le cœur et les âmes qui t'ont chanter encore ce soir, nous aurons réussi aussi dans ta présence, bien-aimé Père Tibissant, pour traverser les cantiques au notre Dieu. Merci encore pour les psaumes qui ont été encore lus ce soir, pour chaque bien-aimé frère et soeur, mon bien-aimé Père Tibissant, qui s'est encore en ces lieux, mon soir, et ceux qui sont aussi en connexion encore ce soir, les différents endroits, notre bien-aimé Seigneur, et qui ont les yeux fixés sur toi, mon soir béni. Nous te sommes vraiment reconnaissants, notre Dieu. Merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions, merci encore pour ton pardon. Non, Seigneur, parce que tu es vraiment vivant, notre Dieu. Tu es celui qui nous soutient encore aujourd'hui, notre Père. Celui qui connaît nos pas, Seigneur, toi, notre Maître béni, Père. Louange à toi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci d'avoir gardé nos bien-aimés frères. Nous sommes vraiment arrivés, bien-aimés Père Tibissant. Combien nous sommes consolés, Seigneur, pour les avoir parmi nous encore ce soir. Merci encore pour tout, Père. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous
ce soir. Nous avons jugé de pouvoir le glorifier et le remercier de tout notre cœur pour cette grâce qu'il nous accorde encore de pouvoir nous retrouver ce soir et surtout aussi de pouvoir voir nos frères qui sont arrivés. J'étais heureux de pouvoir voir mes précieux frères Bokari et mon précieux frère ici Francis, que le Seigneur soit béni. Et comme je vois, je crois que mon frère Francis y comprend bien le français, puisqu'il n'a pas besoin des écouteurs. Nous remercions Dieu de ce qu'il nous a accordé, cette grâce, de ce qu'il soit vraiment arrivé. Et c'est vrai, nous devons prier aussi pour nos autres frères, qui sont aussi en chemin. Certainement, d'autres sont déjà arrivés, comme ceux qui étaient venus, qui viennent en fait de la Guinée. Je crois qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont arrivés, mais qui sont en train pour arriver à Bruxelles. D'autres qui sont arrivés et qui sont encore à Francfort, et qui, je pense que ce soir, n'auront probablement pas l'occasion d'être à Bruxelles, mais ils seront à partir de demain, Dieu voulant. Et demain aussi, d'autres arrivent aussi de Paris, de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir nous retrouver ensemble. Nous remercions Dieu qui ouvre les portes et qui a ouvert les portes, afin que nos frères et sœurs puissent avoir cette grâce et l'occasion d'y être. Nous nous réjouissons parce que nous voyons aussi notre frère Batimbe qui est arrivé. Nous avons prié pour lui et le Seigneur a accordé la grâce qu'il puisse être là. Ça n'a pas été facile, mais il a eu des difficultés effectivement pour qu'il puisse atteindre effectivement Bruxelles et surtout lorsqu'il est arrivé sur là-bas à Amsterdam. Je remercie aussi par là aussi mon frère Kasselek qui est allé les chercher aussi là-bas et qui l'a ramené. Ça n'a pas été facile. Mon frère a eu des situations très difficiles. Mais le Seigneur, comme mon précieux frère a chanté, il est vraiment dans le cœur. La décision a été prise effectivement pour qu'il puisse entrer, parce qu'arrivé là-bas, ce qui Paul, l'immigration l'avait enfermé, donc ils l'ont arrêté. Il m'a envoyé un message pour dire que je suis arrêté, donc je dois retourner effectivement là-bas, donc d'où je viens. Mais par la grâce du Seigneur, je suis entré en contact avec l'officier principal et pour parler avec lui. Et voilà, le Seigneur a exaucé. Et on l'a libéré. Et il est parmi nous aujourd'hui. Il est un homme heureux parce qu'il a dit, en tout cas, je crois que cette conférence, Dieu va faire des grandes choses. Parce que là où j'étais, personne ne veut me libérer. Mais Dieu a promis la grâce. Il est heureux comme vous le voyez. Notre frère m'a dit, mais que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Et comme vous savez, les autres viennent effectivement en chemin pour que nous puissions nous retrouver ensemble le jour à venir. Alors ce soir, je voudrais donc demander à chacun d'eux de venir pour vous saluer et vous dire un petit mot, effectivement, parce que nous sommes dans la joie de pouvoir les avoir. Amen. Vous avez prié, n'est-ce pas? Amen. Et voici qu'on commence à arriver. Alléluia. Matimbe est un miracle. Amen. Lui peut danser. Alors, il me disait vraiment, on doit glorifier Dieu. Et que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais. Yes, you say some words. You pass by. Je voudrais commencer par notre frère Francis, qui vient effectivement pour vous adresser un petit mot, des salutations ici. Et puis après, mon frère Francis, ce sera toi, mon frère Robert. Just after. You need an English Bible or something? That's what, you can speak in French or in English? You want to speak in English? Okay. Pass by then. Prenez-vous car il vient d'être. C'est votre frère. God bless you. You feel free, brother. You can speak. God bless you. Praise the Lord. Amen. First of all, I would like to salute God. Donc, je vais saluer Dieu d'abord. I want to recognize God. Je vais reconnaître Dieu. For all his provisions and protection. Pour sa protection et pour ses provisions avec moi. On this ministry. Sur cet ministère. Yeah, entire members. Et tous les membres. And also I want to salute my father. Et je vais saluer mon père. Amen. And then the leadership of this ministry. Et tous les leaders de ce ministère. And then the entire congregation. Et toute la congrégation. Amen. Who are working hand in hand. Et qui travaillent main à main. Make every effort pour faire tous les efforts to come to accomplishment pour que ça soit accompli. I would not like to be ungrateful. Je ne vais pas être ingrat. But I know what it took for me to be here 2 years ago. Parce que je sais ce que j'ai subi il y a 2 ans pour être ici. And I
also appreciate what the Lord used this conference to catapult me to another spiritual level. Donc aussi, ce que Dieu a utilisé quand j'étais venu il y a 2 ans pour, dans ces conférences, pour que Dieu puisse m'élever à un niveau un peu plus haut. Amen. That when I return, I'm not talking about physical things. Et quand je me suis retourné, je ne parle pas des choses physiques. The spiritual things that one cannot see. Les choses spirituelles que les hommes ne peuvent pas voir. That there was a lot of life testimony that I was not the same and I'm not the same. Et il y avait des témoignages vivants pour montrer que comment j'étais avant et quand j'étais venu dans la conférence et quand je suis reparti, je n'étais plus le même personne. I want to give God the Almighty. Donc je vais rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. For what He has used our daddy and the entire ministry to impart into us. Ce qu'il a utilisé le papa et toute la congrégation d'impacter sur nous. And also for making this second time a very successful one. Et pour que ça soit un succès pour revenir encore ici. Amen. When the invitation came. Et quand l'invitation est venue, I told my brother. Il m'a dit. The invitation came, but I don't think I will make it. L'invitation est venue, mais je ne sais pas si je peux aller. When Daddy called, I said the same thing. Et quand le papa a appelé aussi, j'ai dit la même chose. Immediately I said this, and then I heard a voice. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix. I went on by this. Et je me suis agenouillé. I began to share with him. Et il commence à partager avec moi. He said, the Lord will make it. Mais que le Seigneur pourvoira. Et j'ai commencé à m'encourager. Which I want everyone to hear. Et je veux que tout le monde entende cela. I begin to encourage myself. Je commence à m'encourager. In the word of God. Dans la parole de Dieu. Amen. That if it is the will of God. Que si cela est la volonté de Dieu. If it is the perfect will of God. Si c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Father, make a way. Il faut frayer un chemin. So I'm here to testify. Donc je suis là pour témoigner. Amen. Our God. Notre Dieu. Is a living God. Amen. I want to end by saying. Je vais m'arrêter en disant. When you have a desire, quand vous avez un désir, it's different from a burning desire. C'est différent d'un désir ardent. So if your burning desire does not mean anything to you, donc si vos désirs ardents ne vous disent rien, your burning desire, vos désirs ardents, if doesn't mean anything to si you, ça ne vous dit rien, personally, personnellement, it doesn't mean nothing to you. Donc ce n'est rien avec Dieu aussi peut-être. Hallelujah. Amen. Finally, I got the greatest from the ministry of Better Light Ministry. Donc, il est de l'église de la meilleure lumière. Donc, il vous salue. Toute l'église vous salue. Amen. And I also brought you greatest from my beloved wife. Amen. De la part de sa femme aussi, il vous envoie des salutations. Amen. And also, the leadership of the ministry also asked me to greet you in the Lord. Et les leaders de mon église aussi m'a demandé de vous saluer aussi dans ce Seigneur. Thank you for your tremendous work. Amen. Merci pour votre travail. And the Lord increase you. Et que Dieu vous fait grandir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content d'être ici. Je disais à mon frère tout de suite. J'ai dit, est-ce qu'il est plus fort que moi? Il a dit qu'il est plus fort. Donc j'ai dit, quand je monte, je vais voir si tu es plus fort que moi. Mais le moment que je vois, il faisait ici. Donc, je suis fort. Amen. Amen. Je suis très content d'être ici. Je peux dire que ça, c'est mon église. Amen. Il y avait un problème ici. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, chaque fois que je viens ici, la marche chantée tout de suite dit que être comme Jésus. Amen. Moi je viens ici pour être comme Jésus chaque jour. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je sais qu'on est là, on va avoir beaucoup de temps de se voir. Amen. Amen. Amen.
God bless you all. Yeah, you see me, I'm a miracle. Je suis là, je suis un miracle. It's a great testimony. Avec un grand témoignage. For me to be in your midst. D'être parmi vous. Sure, my friend has given you a hint of what transpired. Et le frère disait des choses, un peu des choses qui étaient passées avec moi. When I tried to or made efforts to come in the 2014. Quand j'ai fait les efforts pour venir ici 2014. Then I was denied entry here in Brussels. Donc on m'avait pas accès, on n'avait pas accepté que j'entre ici en Bruxelles. Instead of coming to the convention here, I spent a week in detention at Transit Central Carico. Donc avant de, au lieu de venir ici, j'ai fait une semaine en on m'a arrêté là-bas. So, voilà. so the parti de transit. There were about 200 inmates there. Il y avait au moins 200 personnes qui étaient là-bas. And when I realized that God probably had sent me to that place. Et quand j'ai réalisé que Dieu m'a envoyé à cet endroit. To spread the good news. Pour partager la bonne nouvelle. So I gathered my courage. Et donc je me suis encouragé. And started witnessing in that detention. Commencé à évangéliser dans. Fortunately, I made some friendship. Et heureusement, j'ai fait des amitiés là-bas. One of them being the teacher in that institution. L'un parmi eux était l'enseignant dans cette institution. He teaches French and other languages. Il enseignait français et so, d'autres langues. He was one of my friends. Il était quand my friend. Il est devenu mon ami. We related very well. Et on s'est bien relaté. So I convinced him to receive the books on behalf of the institution. Donc je l'ai convaincu de recevoir les brochures au nom de la constitution. Institution. So I wrote VGR Europe office. Et j'ai écrit Voice of God en Europe. Also from Canada. Et du Canada aussi. And also from the mission center here. Et DC aussi. And to send books to that very institution. Et d'envoyer les brochures à cette institution. That was about 2014. Ça, il y a 12 ans à peu près. As you have heard, my name is Brother Albert Matimbe. Et donc mon nom c'est Albert Matimbe. I'm from Harare, Zimbabwe. Donc je viens de Zimbabwe, Harare. I was brought into the message at the age of 18 in 1983. Donc j'étais dans le message en 1983 quand j'avais 13 ans. So from that tender age. Donc à partir de cet âge, the Lord is, taking hold or got hold of my life. Dieu a pris soin de mon cœur et de ma vie. He did not allow me to indulge myself into drinking or smoking or soliciting for women. Donc il m'a aidé à ne pas fumer, à ne pas boire et à ne pas suivre les femmes. He kept me in that center of his will. Donc il m'a gardé dans le centre de sa volonté. When the time for me to get married was due, quand il était le moment pour moi de se marier, and God gave me a very beautiful wife, Sister Esther. Et Dieu m'a donné une belle femme, Sœur Esther. And we wedded on 12 December 1998. Et 1998, le 12 décembre, on s'est marié. So I want to appreciate God. Donc je vais apprécier le Seigneur. That I've also kept to my marriage vows, never to look with lustful eyes towards any maid. Donc j'ai gardé les vœux du mariage en disant ne pas regarder à d'autres femmes. You know, Job 31, verse 1 says, I've made a covenant with my own eyes. Job 31, verse 1 dit que. 31, verse 1 says, I've made a covenant. J'ai fait une alliance. With my own eyes, avec mes yeux, never to look with the lustful eyes towards a man. De ne pas regarder les femmes en vain. So that promise I've kept. Ces promesses j'ai gardé. Up this day, jusqu'à présent. I've met my friend Pastor Leonard Lefesse. J'ai rencontré le pasteur Leonard Lefesse. I think this is the 16th year when I've known him. Donc ça fait 16 ans que je l'ai connu. My first encounter with him was 2001 in Kampala, Uganda.
Première rencontre avec lui, c'était en 2001 à Kampala, Uganda. There was a convention hosted by the late pastor Bola Sonyango. Il y avait une convention avec un frère Bola Sonyango. And we were both invited. Et on était invités tous. To that convention. Pour cette convention. And that's where I met my beloved brother, pastor Leonard Lefessé. Avec le pasteur Leonard Lefessé. And we got so much closely bonded from that time. Donc on s'est attaché beaucoup à partir de ce moment. I saw a humble man in him. J'ai vu l'humilité en lui. And you know, the Bible tells us that we must also go with the humble people. Et la Bible nous dit aussi, nous encourage aussi d'aller avec les personnes très humbles. That's what the Bible tells us. C'est ce que la Bible nous a dit. And for a person to know what is in somebody. Et de quelqu'un pour connaître ce qui est dans d'autres personnes. Some few minutes, you know the character of a person. Dans quelques minutes, vous pouvez savoir le caractère de la personne. Whether you'd want to make friendship with him or not. Si vous voulez être en amitié ou pas avec lui. What I understand is that. Qu'est-ce que j'ai compris? The spirit of the Lord. L'esprit de Dieu. Is the same. Il est le même. If it is in me and is in my brother here or that one. C'est-à-dire s'il est à moi ou à mon frère ici ou d'autres personnes. That spirit of God bring us closer together. Donc cet esprit de Dieu nous unit ensemble. Yes, so the bond of love between us. Le lien de l'amour nous envoie ensemble. Grow stronger and stronger. Et ça grandit de temps en temps. Year after year. L'année après l'année. Hallelujah. Amen. So brother Leonard Lefessé, donc frère Leonard Lefessé, came over to my home country Zimbabwe in 2011. En Zimbabwe en 2011 chez moi. He came right to my doorstep. Il est venu chez moi à la maison. I want to appreciate the church here. Je vais apprécier l'église ici for releasing him to my home country. De le relâcher de venir dans mon pays. So when he told you he was coming to Zimbabwe. Et quand il vous disait qu'il venait à Zimbabwe. He was associating with this time figure which you see today. Donc il associé avec moi qui est devant vous aujourd'hui. So we thank God for that. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. His coming to Zimbabwe was a great blessing for us. Sa venue en Zimbabwe était une bénédiction pour nous. If you don't love him here, I can just tell you that he's loved there in Zimbabwe. Si vous ne l'aimez pas ici, moi je vous dis que nous l'aimons là. And also, you know, our country is embarked in land reform where people are being given out large parcels of land. Donc notre pays is inheritance. A l'écriture de donner des terrains aux gens. Donc si là il va là-bas, on peut donner un terrain. Yeah, so if you don't want him here, if he comes over, we give him a very big piece of land. Donc si vous ne voulez pas venir ici, nous on va lui prendre, on va lui donner un grand terrain. Wonderful. Amen. When, thank you very much. And so. They're saying no. No, you cannot say that because him being part of the five-fold ministry, he belongs to the Bride University. Donc il ne veut pas dire non so, parce qu'il est une partie des cinq ministères, donc il est une partie de la famille. So he doesn't belong to you alone. Donc il ne vous appartient pas he seul. He belongs to the people in Zimbabwe. Donc c'est il appartient au peuple de Zimbabwe et en Amérique, Nigeria, all over, et partout. Yes. Well, he's coming over to Zimbabwe, and we ended up going to the bordering countries. Et quand il est venu à Zimbabwe, on a parti dans les autres pays voisins. Zambia, Zambie. Yes, Botswana, South Africa, Afrique du Sud, and we spent about 5 weeks together. On a fait 5 semaines ensemble. Traveling from city to city. Voyageant de ville en ville. From country to country. Pays à pays. Braving whatever situations that we would come across. N'importe quelle situation qui nous souvient. But for the sake of the gospel. Mais à cause de l'évangile. So I want to thank you very much. Donc je veux vous remercier toutes. That we have supported my friend up to this day. Parce que vous avez supporté notre frère jusqu'à ce moment. Amen. So I've also come in reciprocation. Et je suis venu réciproquement aussi. To the love from you people in Brussels.
avec l'amour de vous en Bruxelles ici. I've brought greetings from my family. Je vous envoie des salutations de ma famille. No, you should be pleased to know that I'm a husband of one wife. Donc, il faut être content de savoir que je suis marié avec une seule femme. Amen. Yes. My wife is Sister Esther. Elle s'appelle la sœur Esther. And we got three children. On a trois enfants. Well, I also have my brothers in the family. J'ai des frères aussi dans la famille. The Matildes. Les Matimbe. We are four. Nous sommes quatre. Pastors from my family. Donc il y a quatre pasteurs dans sa famille. I'm Albert. Il s'appelle Albert. There's Absalom. Il y a Absalom. There's Albino. Il y a Albino. Yes, there's Abel. It's Abel. All those are also friends to Pastor Lifese. Donc ce sont des amis aussi à Pasteur Lifese. So, my brothers also have sent greetings to the church in Brussels. Et aussi envoie leurs salutations à l'église ici. And also the sister churches that we relate with in the country. Et les autres églises sœurs qui nous avons des relations dans le pays. They send greetings to you. Ils ont envoyé des salutations. Amen. Well, I may take the whole night. Explain toute la nuit en vous expliquant the testimonies and greetings les and what témoignages et les salutations. But for interest sake, mais à cause let it be known that to you that I love God. J'aimerais que vous sachiez que j'aime le Seigneur. I'm very much devoted to the things of God. Et je suis beaucoup plus engagé aux choses de Dieu. And before I sit down, avant de m'asseoir, I just want to give you two testimonies. Je vais vous donner juste deux témoignages. Of what transpired some years back. Et de ce qui s'est passé il y a quelques années. And with that, avec cela, I've made a covenant. J'ai fait une alliance. To serve Him, the Creator. To serve. Okay. Yes. De servir le Créateur. Yes. The Creator. Amen. Wholeheartedly. Avec tout mon cœur. Tout mon cœur. In the year 2005. 2005, on the 27th of May. Le 27 mai. When I was traveling to Concession, which is about 65 kilometers from city of Harare. Je faisais un voyage de 65 kilometers d'Harare. I was involved in an accident. J'ai subi un accident. I was traveling in a minibus. J'étais dans un minibus. Halfway along the way. Mi-chemin. The minibus we were traveling in was involved in an accident that claimed 8 people on the spot. On a eu un accident qui a fait mourir 8 personnes sous le coup. Yes, 8 people died on the spot. 8 personnes sont mortes. And 11 were seriously injured. 11 étaient fracturés sérieusement. And I came out from that wreckage. Et je suis sorti de là. Without any wound or scratch, sans blessure. Amen. And that's the hand of God. Amen. Ça c'est la main de Dieu. Amen. And you know, a year later, 2006. 2006. There was one night I got seriously ill. J'étais malade une nuit. I vomited a lot of blood. J'ai fait des vomissures de sang during that night. Durant cette nuit. And you know what happens when you lose a lot of blood? Et vous savez ce qui se passe quand vous perdez beaucoup de sang? There will be no life anymore. Il n'y a plus de vie. So well, I was transported out of this body. J'étais transmis hors de ce corps. That means I died. I passed on. C'est-à-dire que j'ai so, mouru. My dear wife, sister Esther, that et very night. Ma femme, la sœur Esther, cette nuit aussi. Was seated beside me. Elle était assise à côté de moi. And also my in-law, et mon beau, together with my sister, avec ma sœur, they were surrounding me, ils m'ont entouré, in tears, et en pleurant, realizing that I'd died, réalisant que je suis déjà mort. Let me say to you, brothers and sisters, laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, the process of death is not painful, la procédure de la mort n'est pas pénible, because when you are dying. Parce que quand tu meurs, you feel as you are getting asleep, tu penses que tu vas s'endormir, and you are going. Et bien, tu partais. So I experienced that. Donc j'ai expérimenté cela. But what I realized that when I was in the dimension of the dead, mais qu'est-ce que j'ai réalisé quand j'étais à la dimension de mourir? I remember talking to God.
Je me suis rappelé, j'ai parlé à Dieu. And I said these words to him. J'ai dit ces mots. Lord, Seigneur, I know that I'm dead. Je sais que je suis déjà mort. But if you can allow me to go back to earth, mais si vous me permettez de retourner en vie, so that I can do your work, pour que je puisse faire ton travail, that will be good for me. Ça, ce sera une bonne chose pour moi. And I heard an audible voice from him. Et j'ai entendu une voix audible de lui. When you go back to earth, quand vous allez vous retourner, will you do my work? Est-ce que vous allez faire mon travail? So after that conversation, après cette conversation, I came back to life. Je suis revenu en vie. I opened my eyes. J'ai ouvert mes yeux. I saw my wife there. J'ai vu ma femme. My in-law and my sister. Et mon beau et ma soeur. The promise I made to my creator. La promesse que j'ai faite à mon créateur. That I will serve him. Que je vais lui servir. I've kept to that. J'ai gardé jusqu'à présent. Hallelujah. Amen. So you're looking at me. Donc, en me voyant, I'm one of them who resurrected, who came from the. Donc, je suis the land of the dead. L'un d'entre beaucoup de personnes qui a été ressuscité. Yes. So I'm a miracle if you say. Je suis un miracle. Amen. I want to appreciate also God. Je vais apprécier le Seigneur aussi. Over the years, allowed me to travel to several countries in Africa and elsewhere. Durant ces années, il m'a fait voyager partout, and en Afrique et partout. Once I've also been to Israel. Et j'étais en Israël aussi une fois. And to prove these things whether they are true or not. Prouver ces choses dans la Bible si c'est vrai ou faux. I went right into the tomb of the Lord Jesus Christ. Parti même au tombeau de Jésus Christ. He's not there. Il n'est pas là. Hallelujah. So what my friend preaches is a true gospel. Donc ce que mon frère prêche ici, c'est un évangile vrai. If he has ever told you that there's a resurrection of the dead, s'il vous a une fois dit qu'il y a la résurrection des morts, because the founder of Christianity rose from the dead, parce que le fondateur du christianisme est ressuscité, he speaks the truth. Donc il dit la vérité. Because if you go there, parce que si vous partez là-bas, even yourself, même vous-même, to prove it. Pour prouver cela. Geographically, géographiquement, you will agree with me. Vous allez être en accord avec moi. Our Lord and Savior Jesus Christ rose from the dead. Jésus-Christ a ressuscité. So the religion that we stand for, donc la religion que nous battons pour, is number one religion. C'est le numéro un. Yes, Amen. It comes second to none. Donc yes, it is number one. C'est numéro un. Second to none. Number one. Second to none. Yes. Deuxième à d'autres, à rien d'autre. So, brothers and sisters, donc frères et sœurs, be encouraged to soldier on. Et nous vous encourageons de se battre. We have come all the way. On est venu. Even from Africa. Même de l'Afrique. To come and support the vision here. Pour venir soutenir la vision ici. Amen. And God bless you. Amen. Amen. Pastor Albert, I'd like to express my thanks to you also for coming to Brussels. God bless you richly, and also for your testimony here. God bless you, and we also pray for your wife and your family and your ministry. We are very happy to have you also in our conference here. We'll have time, you have time also to speak to the congregation during the conference. God bless you richly. Remercions le Seigneur pour cette grâce. Et comme nous venons de pouvoir l'entendre, vous voyez comment il est. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est Mathilde. God bless you, love you, brother. C'est vrai, c'était touchant. Imaginez qu'il soit reparti. Ça aurait été triste. Amen. Mais nous remercions le Seigneur. Nous voulons encore une fois remercier. Notre Père Céleste, notre Dieu. Nous voulons te remercier encore pour notre frère Adler, Mathilde et Père, que tu as accordé. Vraiment, cette grâce de pouvoir être sorti de l'endroit où il était là, avoir permis aussi que nous puissions pouvoir aujourd'hui, Père. Ça a touché aussi notre cœur, son témoignage, vous aider le Père Saint pour voir. On regarde, c'est pas ceci, son cœur est plein de vous, Père Saint, aussi. On regarde, il veut davantage, c'est pour ça qu'il est aussi à toi pour pouvoir te servir, Père. Nous t'en remercions aussi, nous les tenons de mes frères, Francis, Père, car elle m'a touché aussi nos cœurs, mon meilleur Père Saint. On regarde, tu as vraiment choisi de me faire, Seigneur, tu as agi dans la vie de mon frère. Son cœur et son âme a été vraiment aussi saisi par toi, Père. Aujourd'hui, sa vie aussi fausse.
Seigneur Père. Merci encore pour tous nos frères Bocalibrins qui se battent pour que les frères et les sœurs dans ce pays puissent encore connaître cette parole. Et moi, si vous m'aimez pas tout ça, nous te remercions encore pour ce soir, notre Dieu. Alors nous prions vraiment pour cette conférence pour voir. Tu as vraiment être avec nous et nous aider encore davantage, Père. Nous préférons parce que nos frères viennent avec autant de désirs, Père, pour te rencontrer, pour entendre ta parole, bénévole du sang, pour aussi recevoir de toi, Père, comme tu as changé mon frère, façon d'intérieur. Fais-le encore davantage pour ceux qui viennent encore, mon bénévole Seigneur. D'avoir vraiment foi et confiance en toi. Que ton nom soit béni encore ce soir. Nous te remercions pour tout. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment une grâce. Je pense que notre sœur ici, Dorine, moi je pense qu'elle travaille ce soir. Non. Oui, Eh bien, elle connaît très bien le frère Matin. Je crois que ce soir, elle est dans la joie d'avoir vu Matin, mais notre frère depuis l'Ouganda, que le frère était passé là-bas. Et pendant ce temps aussi, quand il est venu aussi, donc il était aussi en contact avec notre frère, notre soeur, pardon. Nous sommes heureux de savoir que le Seigneur, notre Dieu, et c'est lui qui fait de merveilles. Et aussi, nous le remercions beaucoup parce que nous savons qu'il est en train de pouvoir agir. Et vraiment préparer aussi nos cœurs pour cette rencontre que nous aurons effectivement tout au long de la semaine ici. Et puis aussi la semaine prochaine, nous le prions vraiment pour qu'il nous aide. Nous avons encore des invitations qu'il faudra encore donner à ceux que vous connaissez. Et même pour ceux qui sont malades, vous pouvez les inviter. Nous prierons pour eux. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous accorder vraiment la grâce de pouvoir nous revenir vraiment de tout notre cœur à lui pour pouvoir nous les servir. Vous aurez l'occasion de pouvoir entendre Pasteur Matimbe. C'est une joie. Notre bien-aimé frère Bokari et aussi notre bien-aimé frère Francis. D'autres pasteurs sont déjà arrivés, mais ils sont en chemin pour être là. Et chacun d'eux, je pense que demain, c'est le jour où on va tous le recevoir. Donc ici, on sera ici, donc je serai vers 19h, que je le recevrai ici, dans notre salle qui est là-bas. Et jeudi, nous partons alors à ce moment-là pour l'Allemagne, puisqu'ils nous attendent déjà là-bas, tout est déjà arrangé. Alors je pense que ma bien-aimée sœur m'a posé aussi une question, si toute l'Assemblée allait venir. Si chacun de vous est libre de pouvoir venir, il n'y a pas de problème. Les véhicules sont là, nous avons des véhicules disponibles. Que Dieu bénisse richement notre frère José. Il est là. Lève-toi, mon frère, je voudrais te voir ici devant. Ah oui, viens. Viens, mon frère, viens. Et le Seigneur te bénisse richement. Voilà le frère José qui s'est donné de tout son cœur pour que nous ayons vraiment un véhicule grand pour pouvoir recevoir. Et c'est lui qui s'est chargé de tout celui-là. Que Dieu le bénisse richement. Et à côté de lui, notre frère Frédéric qui s'est dit aussi. Choisis aussi de pouvoir aussi être le chauffeur, de pouvoir prendre aussi les pasteurs et non les seigneurs merveilleux. Amen. Il fait des choses merveilleuses. Ça m'a vraiment beaucoup touché de voir comment ce frère, il dit tout son cœur, il dit, frère, je veux le prendre. Il dit, mon Dieu d'amour. Et quand j'ai entendu, mon cœur a fait boum boum. Mais il dit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons prier pour lui. Amen. Précieux Sauveur, nous voulons te remercier pour mon frère. Notre frère, José, frère, ne parle pas beaucoup, mais combien il t'aime, son cœur, son roi, son cœur, l'amour et la joie, au moins ici, tout le monde est vraiment, afin que nous ne soyons pas les véhicules qu'il faut pour transporter un serviteur qui vient de loin comme le Père Seigneur. Nous sommes nécessaires, Père. Ce n'est pas facile pour nous parce qu'il a aussi une femme, des enfants aussi perdus. Nous te remercions, Père, les personnes, tu es le Dieu qui. Merci aussi pour mon frère Frédéric qui s'est donné aussi le Père du Saint, qui a voulu me prendre ce temps pour pouvoir être aussi au service pour le Père. Je te remercie pour cela. Bénis-le richement, Père, et nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu fais. Je te remercie de tout mon cœur. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est vrai, je suis vraiment touché parce que dans mon bureau, je puis avoir la liste. Aussi bon la liste qui était aussi affichée là. Vraiment, je tiens à pouvoir remercier chacun de vous, frères et sœurs, de voir réellement aussi votre participation, l'empressement que vous avez. Et j'ai hier, je pense que hier, c'était hier, ou c'était dimanche, je pense, dimanche. Je suis vraiment très touché de voir vraiment comment Dieu est en train de pouvoir
d'agir dans le cœur de chacun de vous. Je prie pour vous, mais je vous remercierai aussi à la fin de la conférence, parce que ce que vous faites est quelque chose de tellement si grand. Et chacun de vous, vous êtes précieux pour moi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Et de voir combien chacun, chaque sœur est participant pour ceci, pour cela, pour ceci. Vous savez, la récompense sera pour vous une grande récompense. Amen. Amen. Dieu notre Amen. Seigneur vous bénira richement. Amen. Vous donnera même au-delà de ce que vous faites. Parce que regardez comment vous rendez les frères qui viennent heureux. Parce qu'ils viennent de loin, ils ont laissé leur famille, leurs enfants, parce qu'ils viennent pour avoir prendre part à cette conférence. Nous devons vraiment bien le recevoir. Amen. Prions le Seigneur qu'il vous bénisse beaucoup, en tout cas qu'il... Je ne sais pas comment vous remercier. Parce que chaque chose que vous faites, ça me touche beaucoup. Et, mais je rends gloire au Seigneur de m'avoir accordé cette grâce de pouvoir réellement vous avoir et dans cela aussi, que le Seigneur soit béni. Je voudrais lire une portion de l'Écriture dans les Saintes Écritures pour que nous puissions prier ensemble et puis nous libérer aussi. Parce qu'il y a des frères qui sont encore là-bas à l'aéroport de Francfort, mais qui sont sortis, mais qui attendent que je leur donne des instructions par la suite pour savoir ce qu'ils doivent faire, où ils doivent dormir, parce que c'est pas facile. Donc nous nous levons tous pour lire dans les Saintes Écritures. Quand j'ai dit « levons-nous », vous vous levez dans les Saintes Écritures. Nous lisons dans le livre de Luc, une portion de l'Écriture. Luc, au chapitre 1, c'est ça. Luc, au chapitre 1. Verset 3, il dit « Il m'a semblé bon... après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà eu cette occasion de pouvoir lire cette écriture. Et ce soir, comme nous pouvons le réaliser, nous relisons. La parole de Dieu est une merveille et puis une richesse. Plus on la lit, plus effectivement, elle devient encore beaucoup plus vivante, beaucoup plus importante pour nous. Au fur et à mesure que les temps avancent et passent, on se rend compte effectivement de l'importance et la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir recevoir sa parole. Vous voyez, cet homme de Dieu, il insiste sur le fait que j'ai vraiment fait toutes ces recherches-là, pas pour rien en fait, mais c'est pour que tu puisses avoir la certitude et l'assurance effectivement des enseignements que tu as reçus. S'il y a vraiment un temps où le peuple de Dieu doit chercher à pouvoir être sûr et certain des enseignements qu'il reçoit ou qu'il a reçus, effectivement, c'est bien ces temps dans lesquels nous vivons. Parce que c'est vraiment les temps qui est vraiment très, très sensible, puisque c'est vraiment le temps qui tend vers la fin. C'est vrai. C'est dans cette période ici que le Seigneur Jésus-Christ a eu à pouvoir dire que cela sera tellement si près que les élus seraient séduits si cela était donc possible. Le temps de la fin, c'est vraiment le temps où tout est concentré. Si vous vous souvenez encore très bien, nous avons eu à pouvoir toucher en rapport avec les âges, mais surtout en rapport avec Daniel, avec les bêtes qui ont été donc montrées. Et nous avons vu que le quatrième bête, effectivement, ce dernier animal, il avait rassemblé tout ce qui était dans le premier, effectivement, et tout cela était en lui. Et nous avons remarqué qu'effectivement, que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment terrible, comme Daniel a eu à pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que c'est parce que à la fin, tout est concentré, effectivement, de manière à ce que la chose qui... Puisque pourquoi c'est concentré? Parce que c'est vraiment la fin. Donc c'est vraiment le temps de combat difficile, le temps où... C'est pourquoi vous remarquez très bien que le Seigneur Jésus
en parlant de l'Odyssée, il dit c'est un âge qui est tiède, en fait. Soit tu es bouillant, soit tu es froid. C'est vraiment mélanger donc les deux à la fois. Dans les autres âges, on n'avait pas ça, mais dans l'Odyssée, certainement sûr. Donc, les deux sont mélangés. Ce qui est froid et ce qui est chaud, mélangé. Et quand c'est mélangé, c'est toujours parfois difficile de pouvoir arriver à pouvoir vraiment voir la chose. Et c'est dans ce temps ici, effectivement, que nous sommes appelés à pouvoir vraiment être sûrs et certains de ce que nous sommes et ce que nous avons reçu. Pourquoi est-ce que cela est important, comme cet homme de Dieu parle, effectivement, la certitude des enseignements que tu as reçus. Dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, je pense, il dit une chose à Timothée. De Timothée, chapitre 3. Et ici, je lis verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, effectivement, c'est le temps dans lequel nous nous trouvons. Vous souvenez? Car les hommes seront donc égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats religieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant donc l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, les épargneux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent effectivement de faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jambres et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, mais réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Vous avez remarqué ce qu'il dit? Maintenant, regardez les versets suivants. Il dit quoi? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, effectivement, il montre à Timothée comment les choses vont se passer, effectivement, comment dans les derniers jours, l'esprit qui va réellement, parce qu'il dit, mais ayant l'apparence de la piété, mais ils ont réuni, effectivement, ce qui en fait la force. Et démontrant, effectivement, comment, effectivement, l'état, l'esprit, effectivement, la manière dont les hommes, ainsi que ceux qui se disent de religieux, de croyants, vont aussi agir. Il dit, mais regardez comment cela s'est fait, comme Jannès et Jambrès, effectivement, ils s'opposent à Moïse, même ces hommes s'opposent aussi à la vérité. Cela doit nous amener à pouvoir comprendre, effectivement, ce que le Seigneur dit dans les Saintes Écritures plus loin, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Il leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Vous suivez? Nous retournons maintenant au verset 10 de Timothée 3, 10, il dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Vous suivez cela? Et ce même Paul, effectivement, qui est toujours s'adressant à Timothée pour lui montrer, effectivement, ce qu'il avait, effectivement, ce qui le concerne, il lui dit une chose, effectivement, en ce qui concerne, effectivement, sa position, que lui, Timothée, devait tenir ferme, effectivement, dans ce qu'il a eu à pouvoir recevoir comme enseignement, parce que vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, il lui a dit, effectivement, que persévère, effectivement, dans l'enseignement, parce que tu sauveras, effectivement, vous vous souvenez, ceux qui t'écoutent. Vous vous souvenez? Alors, regardez très bien que cet homme insiste en disant que pour que tu puisses reconnaître la certitude des enseignements que tu as reçus. Je l'ai dit tout à l'heure que s'il y a un temps où nous devons être sûrs, savoir est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment l'enseignement de Dieu ou pas, c'est vraiment ce temps dans lequel nous nous trouvons. Si nous retournons dans le livre des Actes au chapitre 2, nous voyons que le jour de Pentecôte, quand la parole de Dieu a été donc prêchée, quelque chose s'est passé parmi les hommes qui ont eu à pouvoir entendre effectivement la parole qui a été prêchée par l'apôtre Pierre. Et les questions nous font savoir que
le cœur de ces hommes-là a été vivement touché. Ils étaient vraiment profondément touchés au plus profond de leur âme. Et ils ont posé la question aux frères en disant, mais oh, homme frère, effectivement, que ferons-nous? Pierre leur a répondu, comme vous le savez, ce qu'ils devaient faire. Et alors, le verset suivant, vous savez que le verset 40, je pense, donc acte 2, pardon, acte 2, verset donc la 40, il dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les autorités, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui reçurent sa parole de bon cœur furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons qu'effectivement, les Saintes Écritures nous font savoir que tous ceux-là qui ont eu à pouvoir croire, et que cela, effectivement, c'était qu'effectivement, les jours de Pentecôte, c'est le jour en réalité où l'Église de Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, a réellement pu être manifestée ce jour-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Église primitive, en fait. C'est là que l'épouse a été donc manifestée, ce jour-là, à Jérusalem, effectivement. Et on a vu que leur nature, comme le Saint-Esprit dit, mais ils étaient réellement attachés aux enseignements que les apôtres avaient réellement donnés. Pourquoi est-ce que cela a été quelque chose de très important pour eux de pouvoir s'attacher à ces enseignements? Ils ont d'abord réalisé une chose, c'est que ces hommes qui étaient là, auxquels ils pouvaient réellement réaliser que c'était des hommes tout à fait naturels comme les autres, il y avait quelque chose de tout à fait particulier avec eux. Ce qui veut dire que lorsque cette puissance est descendue sur eux, ils ont réalisé que ces hommes parlaient comme tous les autres hommes parlaient, mais quelque chose d'autre, de surnaturel, était réellement suivant les paroles qui sortaient effectivement de leur bouche. C'était quoi? Ce que Pierre était un Galiléen, il parlait dans sa langue maternelle. Mais le mot qui sortait effectivement de sa bouche, qui était une sorte de parole d'un homme naturel, devenait des paroles surnaturelles. Amen. Pour ceux qui l'entendaient. Donc, ils n'étaient pas convaincus par la nature des paroles de Pierre, pardon, mais en fait par la parole qui sortait de la bouche de Pierre. Amen. Donc, la personne qui était concernée, ce n'était pas Pierre, mais la parole qui sortait de sa bouche. Amen. C'est pourquoi ils ont crié en disant, après avoir entendu, ils étaient les oreilles ouvertes et écoutant, effectivement, mais quand ils ont entendu les paroles, ils disent, mais oh, tous ces hommes ici sont tous galiléens. Comment est-ce que nous les entendons tous, chacun, dans notre propre langue maternelle? Qu'est-ce qu'on entend? Mais les merveilles de Dieu. Donc, nous entendons la parole des dieux. Ils pouvaient entendre cette parole que Pierre, tellement sûr qu'il prêchait, qu'il parlait effectivement, mais cette parole, quand elle arrivait dans leur cœur, ça faisait quelque chose de tellement si puissant. Ils disaient, mais ça ne peut pas être la parole d'un homme. Parce que quand un homme parle, on connaît la parole de l'homme. Mais celle-ci, elle est différente. Et puis, il me parle effectivement dans sa langue. Moi, je l'entends dans ma langue à moi. Mon voisin dans sa langue, effectivement. Ici, il y a Dieu, effectivement. Et puis, ce qui était aussi merveilleux, c'est que quand ils entendaient cela, ils réalisaient effectivement l'importance dans leur âme de pouvoir être changés. Parce qu'ils ont posé la question, oh, homme, frère, que ferons-nous? S'ils n'avaient pas ce désir, effectivement, je n'aurais pas intéressé à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que j'entends, ça ne me concerne pas, je m'en vais. Mais là, la parole a eu un effet terrible dans leur cœur, ils ont entendu. Et puis, ils ont pu voir comment Pierre leur a montré, effectivement, ce que Dieu a eu à pouvoir faire jusqu'à l'accomplissement. Alors, les choses ont été tellement si claires qu'ils étaient vraiment convaincus. Pas par le voisin, pas par la voisine, pas par les cousins ou le papa, mais non. Convaincus par Dieu lui-même, que ce que Pierre disait était conforme à la parole de Dieu, que c'était vraiment la parole de Dieu. Évidemment, frères et sœurs, ils ont pu avoir été dans différents endroits, ils ont pu écouter quand même. Mais quand ils ont écouté Pierre lorsqu'il parlait, effectivement, ils ont trouvé que ceci était quelque chose de tellement différent. Ce n'est pas Pierre qui les a convaincus, mais la puissance qui est dans la parole que Pierre prêchait les a convaincus. Amen.
Qu'est-ce que Pierre a prêché? On allait beaucoup, hein, effectivement. Il est donc parlé parce que, en rapport avec l'enseignement, parce que la Bible nous fait savoir qu'il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres. Lorsque le Seigneur était avec ses disciples, dans Matthieu, au chapitre 28, regardez, Matthieu 28, Matthieu 28, nous lisons à partir du verset 16, on dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le Seigneur a eu à pouvoir donner un ordre à qui? Effectivement, à ses disciples, pour que lorsque ils seront, parce que vous vous souvenez bien, dans les Saintes Écritures, dans le passage qu'il dit, qu'il devait aller leur enseigner. Maintenant, alors, en fait, tout ce qu'il apprécie, parce qu'il remarquait très bien que dans le livre des Actes, au chapitre 1, il leur a dit une parole importante, effectivement, au chapitre 1 des Actes, je pense que c'est cela, acte 1, je crois que c'est cela. Il dit ceci, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut donc élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Là, Matthieu 28, il leur a donné l'ordre maintenant de quoi ? D'aller enseigner, effectivement, il dit, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donc prescrit. Donc, les disciples devaient être partis, effectivement, mais pour faire des disciples, mais pas des disciples à eux, mais faire des disciples comme eux pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, c'est pourquoi on dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Alors lui, il était appelé à pouvoir faire des disciples. Il s'était envoyé pour faire des disciples, effectivement, comme le maître en a fait aussi des disciples. Donc les disciples ne devaient pas être les disciples du disciple, mais les disciples être les disciples du maître, Amen. Comme Pierre, Jean étaient disciples du maître. Amen. Si vous observez très bien, quand il est entré dans la maison des Corée, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient, il dit, mais le Seigneur, notre Dieu, a accordé le même Saint-Esprit à eux, Amen. Comme à nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, effectivement, l'enseignement que les disciples devaient apporter aux disciples devait être le même enseignement Amen. Que le Maître avait donné aux disciples pour qu'ils deviennent disciples. Amen. Disciples de qui? Du Maître. Amen. Donc, eux devaient prendre la même parole. Et maintenant, pour prêcher la même parole avec la même puissance, Amen. Avec la même autorité, il ne faut pas que ce soit l'esprit de Pierre. Amen. Pas l'esprit des gens. Mais il fallait l'esprit Amen. De celui qui est le maître. Amen. Donc l'enseignement devait être le même enseignement, Amen. Enseigné par le même maître. Amen. Alors là, les disciples, regardez au maître. Amen. Puisqu'ils entendraient quoi? Par la voix de Pierre, non. Par la voix du fessé, non. La voix du maître, les bébés entendront ma voix, Amen. Et ne suivront pas la voix Amen. Des étrangers. Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, l'enseignement est quelque chose de très important pour un fils de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 45, il est écrit, ils seront tous enseignés. De qui? De Dieu. Ils seront tous enseignés Alléluia.
de Dieu. Amen. Donc c'est lui qui doit nous enseigner. Amen. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, mon frère. Amen. C'est pourquoi, comme mon précieux frère, le pasteur Mathieu me le disait tout à l'heure, quand on parle de saint ministère, ce sont des hommes que Dieu a appelés, dans lesquels il a placé en fait son esprit. Amen. Et auxquels il a aussi placé sa parole. Amen. Et comme on peut le voir, effectivement, ces hommes ne peuvent pas en fait se contredire dans la prédication, dans l'enseignement. Mon monsieur, tu ne verras jamais Pierre contre se contredire avec Paul. Ouais. Ni Jacques. On dit, non, non, monsieur. Amen. Non. Quand il s'agit de la parole, et l'enseignement, c'est le même enseignement. Amen. Ils sont dans la parole. Pourquoi, frère? Parce que l'épouse doit avoir une unité de la foi. Amen. Donc, chaque ministère, effectivement, hein, il a vu effectivement la parole, mais la base. La parole, elle est celle que le maître donne. C'est pour ça. Personne ne s'est fait ministre de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait des noms. Amen. Et pour que nous puissions être simplement des instruments pour que les disciples deviennent les disciples, pas de nous, les disciples en entendant, j'aime Dieu. Amen. Quand les disciples entendent, mais ils ne voient pas Pierre, mais ils entendent la voix du maître. C'est pourquoi ils disent, oh mon frère, que ferons-nous? Parce que nous avons réalisé que ce n'est pas toi, Pierre. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu es devenu spécial. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Notre Père Seigneur, ce soir, nous voulons te dire encore merci. Nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes soins de compassion. Merci vraiment de nous avoir encore tenu par ta messe, de nous avoir aidé, afin que nous puissions t'approcher davantage à toi. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux, Père, de faire partie de ce peuple, de ce troupeau, de toi, tu t'es réellement choisi personnellement. Oh Dieu, pour pouvoir avancer avec toi et te servir encore dans ce temps où nous vivons. Je te remercie encore pour tous les bénévoles, frères et sœurs. Oh Dieu, tous ceux qui sont vraiment à toi et qui s'approchent davantage à ta parole, Père. Nous sommes heureux pour les sœurs que tu m'as donné aussi, bénévoles, frères et sœurs, pour les enfants que tu as réellement donné, bénévoles, frères et sœurs, pour que nous puissions encore te servir. Louange à toi. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment nous tenir effectivement dans cette parole bénie, Père, à réaliser l'importance et la grâce de pouvoir te servir, Père. Le jour où encore tu serais, mon bénévole Père, Dieu. Nous approchons effectivement aussi de grand jour, mon bénévole Père Saint. Nous voulons implorer ta grâce pour ce soir. De pouvoir réellement nous aider encore aujourd'hui, Père Saint. Nous voulons implorer ta grâce, mon bénévole Père Saint, de pouvoir réellement aussi disposer encore nos cœurs, notre Dieu, pour que. Oh Dieu, ces jours à venir, mon bénévole Père du Saint, nous puissions te rendre réellement le cri, qu'il soit réel encore, mon bénévole Père du Saint, que toi, tu descends, notre Dieu, pour pouvoir nous parler, Père. Nous aider encore davantage, pour pouvoir être éclairé par toi, mon bénévole Père Saint. Oh, c'est vrai, comme mon frère venait de faire les 10 ans, pour enchanter mon frère, m'a dit, mais il vient de laisser le jeune de la famille, c'est vrai, ce peuple venait de loin, comme des frères, Père. Oh Dieu, pour simplement croire en toi, venant en train d'avoir la même chose, j'aurai promis avec toi, et ton besoin, Père Seigneur, protège encore les bénédictions, encore nos cœurs, encore davantage. Pour moi, nous te remercions encore pour tout faire. Bénis encore ton peuple encore ce soir. Et Seigneur, soutiens chacun d'eux. Nous te remercions pour tout Père. Et louons à toi. Protège ceux qui sont en chemin. Seigneur, je prie aussi mon bénévole frère Marcel Hué, Père. Et soutiens-les parce qu'il est malade, mon Père. Soutiens-les encore davantage, mon Père. Seigneur, relève encore davantage mon bénévole frère, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir parce que tu n'as pas changé, Père. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta bonté. Nous avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel Sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa nuit innocente, il s'est donné pour mourir.